Je m'appelle Laure Cohen, j'aime écrire depuis que je suis toute petite, avec des périodes où j'ai plus ou moins écrit. Voilà, actuellement, j'ai une dynamique d'écriture qui est assez régulière grâce à des concours de nouvelles auxquels je participe régulièrement. Et j'aime beaucoup la poésie et les écritures poétiques en général, les romans dans lesquels... Des romans qui font vraiment appel à l'imaginaire et aux textures. Voilà, ça fait partie des choses qui me fascinent dans l'écriture et que j'aime développer. Je cherche des moyens de développer mon écriture, de me donner des objectifs et aussi des formes de contraintes. Et du coup, depuis quelques mois, je participe à des concours de nouvelles que je trouve sur Internet. Et je suis tombée sur ce non-concours de nouvelles en écriture inclusive. Et j'ai vraiment été attirée par le thème, en fait. Les écritures inclusives, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'essaye d'utiliser le langage inclusif dans ma pratique orale, déjà, autant de fois que je peux. Et en même temps, c'est un univers que je connais pas tant que ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait plein de liens et de références pour... connaître ce qui se passe en écriture inclusive. Et j'ai été vraiment intéressée par le fait de pouvoir moi-même apprendre plus, faire marcher aussi mon imaginaire pour développer ces langages-là. Votre texte a-t-il été rédigé spécifiquement pour notre pays? C'est la première fois que j'écris un texte complètement en langage inclusif. Habituellement, en fait, c'est vrai que j'ose pas trop. J'essaye de mettre des langues inclusives le plus souvent possible, mais j'ose pas y aller complètement parce que je crains qu'il y ait des personnes qui refusent de lire le texte ou qui aient vraiment du mal à rentrer dans le texte. Et donc là, c'était l'occasion pour moi de faire complètement la démarche et de l'expérimenter pour moi-même. Et donc, j'ai utilisé cette opportunité pour écrire le texte. Parlez-nous de votre rapport aux écritures inclusives. Alors, le langage inclusif, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que je trouve qui est pertinent et qui devrait être beaucoup plus développé, voire seulement exister. Après, les écritures inclusives, du coup, c'est une partie du langage qui est plus difficile à manipuler, je trouve par un défaut de connaissance déjà, de ce qui existe, de ce qui a déjà été créé, et aussi par la crainte qu'il y ait un certain nombre de personnes du coup qui soit refusent de lire les textes parce que ça marquerait pour eux quelque chose qui les elles refusent ou que ces personnes aient du mal à rentrer dans le texte et que ça entrave la lecture, ce qui pose quand même beaucoup de questions quand il s'agit d'écrire quelque chose. Voilà, mais sur l'idée des écritures inclusives, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. L'idée aussi d'inventer du langage d'une manière générale et d'utiliser l'écriture pour faire appel à d'autres imaginaires, pour créer d'autres espaces de pensée,
Je trouve que c'est très puissant pour ça et les écritures inclusives, ça peut aussi permettre ça. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Alors, c'est un texte dans lequel j'ai décidé de parler du quotidien, d'une vision du quotidien d'une personne qui a une schizophrénie. Pour deux raisons. La première, c'est que je travaille en santé mentale, donc je côtoie régulièrement des personnes avec schizophrénie, je côtoie les familles des personnes avec une schizophrénie et c'est un quotidien dont j'ai quand même un aperçu assez fort. Et aussi parce que pour moi, l'art en général, et là l'écriture, c'est quelque chose qui doit permettre une transformation. Moi, ce que je vise quand je crée quelque chose, c'est que la personne qui reçoit l'art soit pas tout à fait la même après qu'avant. Et donc, ça m'importe d'aborder des sujets que je trouve pas suffisamment abordés ailleurs ou que je trouve méconnus. Et il m'a semblé que la schizophrénie, ça fait partie de ces sujets sur lesquels il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'imaginaire qui est faux par rapport à la réalité de la maladie, qui a été véhiculée par plein de médias de manière vraiment faussée. Et voilà, c'est une occasion pour moi vraiment de présenter ma vision de ce que peut être le quotidien d'une personne qui a une schizophrénie et de son entourage.